profiter de projections de films muets, avec encore un pianiste qui joue en direct dans la salle. Hugues Maréchal est l'un des pianistes de la Cinémathèque et on a eu le grand plaisir de le rencontrer cette semaine dans l'une des salles obscures de la Cinémathèque. Bon allez, moteur! Moi, j'aime bien travailler sans filet. J'aime bien vraiment le lâcher prise du musicien qui vient sans filet, il s'assied, pouf. Et il laisse vraiment l'impression venir, paf, l'image, impression, réaction, musique. Ça fait 33 ans qu'Hugues Maréchal s'assied à son piano face à un grand écran pour créer un univers musical sur des films muets. Des performances qui sont toujours improvisées. Moi, j'adore découvrir un film que je n'ai jamais vu et que je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Je regarde juste un peu la couleur du film pour ne pas vraiment partir n'importe comment. Mais je n'ai pas besoin qu'on me raconte l'histoire de A à Z pour l'accompagner. C'est comme si l'image passait par l'œil, descend dans le corps et hop, descend dans les doigts. Et très souvent, je ne regarde même pas mon clavier, je regarde que l'écran. Toute musique est émotionnelle et donc on peut souligner à la fois le côté action quand il y a des choses, on peut signifier du suspense. Des chagrins d'amour, des trahisons et tout ça peut se faire avec la musique. C'est un peu, pour moi, un peu la troisième dimension, on va dire. Il y a les deux dimensions sur l'écran, la troisième, c'est la musique. Il faut bien se rendre compte que toute la variété du cinéma qu'on a aujourd'hui existait à l'époque. C'est-à-dire qu'on a le film hollywoodien, un grand spectacle avec des divas, des stars. On a Greta Garbo, les films de Greta Garbo, c'est sublime. On a le cinéma russe qui est tout à fait différent. On a du Hitchcock, les films de Buster Keaton, les Charlie Chaplin. On a vraiment un panel d'émotions en réalité et une énorme richesse. La Cinémathèque héberge une des plus grandes collections de films muets au monde. Et presque chaque jour, 6 pianistes s'y relaient pour faire vivre au public une expérience unique. Nos spectateurs sont toujours surpris quand ils viennent ici. Ils se rendent compte qu'il y a un cadeau quoi, dans le moment présent. En fait, on est vraiment dans une prestation qui va avoir lieu qu'une fois et qui va être vraiment de l'art éphémère. Si le spectateur, à un moment donné, oublie et il a l'impression que la musique sort du film, c'est qu'on a gagné.